Voix des citoyens pour le changement, un nouveau projet sur l'observation indépendante des forêts lancé à Kinshasa. Ce projet régional pour les forêts du bassin du Congo, financé à hauteur des prix de 6 millions de dollars américains pour 4 ans, est une réponse à la gouvernance forestière. Pour nous, nous pensons qu'il faut encore une technologie, une activité importante pour que notre activité forestière soit gouvernée d'une bonne manière afin de permettre à ce que le produit forestier du bassin du Congo soit le plus légal possible et acceptable sur le marché mondial. Voilà pourquoi ce projet, notre gouvernement tient à cœur à ce que ce projet puisse vraiment être bien appliqué et que son accompagnement soit effectif sur toute l'étendue du bassin du Congo, mais en commençant bien sûr avec la République démocratique du Congo. Citizen Voice for Change, la voix des citoyens pour le changement, un projet bénéfique pour près de 75 millions d'hommes, femmes et jeunes qui dépendent des forêts pour leurs substances dans le bassin du Congo. C'est donc à la fois un projet qui s'articule sur 5 composantes nationales avec des acteurs nationaux chargés de dynamiser et de fortifier les capacités du réseau des associations, ONG, organisations de la société civile dans le secteur forestier. Mais aussi donc une dimension régionale pour stimuler les interactions, les échanges de pratiques, de savoirs, d'expériences, les émulations entre pays. Financé par l'Union européenne et géré par le Centre pour le développement international de l'Université de Hull vers Hampton, ce projet travaille en partenariat avec les organisations et les communautés locales pour s'assurer du respect des engagements contractuels pris par les entreprises dans le secteur dans le cadre de la réglementation nationale sur le bois. Il est question de travailler avec les gouvernements, avec différentes parties prenantes qui peuvent effectivement assurer qu'on a une bonne information sur ce qui se passe dans le secteur forestier et d'améliorer les changements de pratiques des entreprises qui ne respectent pas la légalité ou qui ne respectent pas les cahiers de charges. Comme ça pour favoriser l'impact au niveau des communautés. Citizen Voice for Change, la voix des citoyens pour le changement, une réponse pour une gestion durable des ressources.